nous laisserons tout à l'heure, mais les supputations, les conversations des salons vont dans tous les sens. Nous laisserons aujourd'hui, donc, nous attendons la communication importante de la présidence de la République, mais toujours est-il que nous devons le savoir. L'informateur a terminé son travail, Augustin Kabouya. Il a remis les rapports finaux des consultations qu'il a eues avec les différents regroupements, avec les différentes formations politiques pour dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale, puisque nous n'en sommes pas encore là, Giscard Koussema. Nous sommes ici à la présidence de la République et nous attendons cette communication. Bonsoir, cher Oscar Mbalkaïj. Nous sommes bel et bien le lundi 1er avril 2024, trois jours après avoir reçu l'informateur désigné par le président de la République, comme vous l'avez dit, en vue de pouvoir procéder aux consultations politiques devant confirmer la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'est un autre tournant décisif, trois jours donc après cette ultime audience. Et on savait depuis ce jour que toute l'attention est tournée vers la cité de l'Union africaine où devrait être annoncée une série d'importantes décisions. Aujourd'hui, les décors tels qu'il est planté ici montrent qu'effectivement, il y a une importante communication du président de la République qui a commencé une journée de travail ordinaire. Il a d'abord reçu ici, en début de soirée, le premier ministre Jean-Michel Samba Loukonde Kingé. C'est une rencontre seul à seul. Le président de la République est son premier ministre. C'est lui qui expédie même. Oui, on peut l'appeler comme cela parce qu'effectivement, on attend un nouveau gouvernement. Et donc, c'est une rencontre seul à seul. Et au sortir de cette entrevue, le premier ministre sortant n'a pas fait de déclaration. Mais il était très détendu, tout sourire, très détendu même dans sa tenue vestimentaire, avec un certain sentiment du devoir accompli, mais devant la presse, il n'a fait aucune déclaration. Mais l'on croit savoir que cette rencontre peut être parmi les dernières, en tout cas. Et ça, avec c'est l'arrivée du Premier ministre qui est reçu justement par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Effectivement, Jean-Michel Samba Loukonde Kingé, décontracté, a été reçu il y a quelques instants ici à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Les deux personnalités sont restées seules, comme on le constate, sans collaborateurs respectifs. De quoi ont-ils parlé? En tout cas, le premier ministre, comme dans ses habitudes, est resté à faune, mais il a échangé quelques mots avec la presse présidentielle qui cherchait à tout prix à lui arracher un mot. Tout sourire, on a senti en lui le sentiment du devoir accompli. Et un arrivé du futur premier ministre ou de la future premier ministre sera connu aujourd'hui. Oui, d'autant plus que le président de la République est en train de recevoir quelques personnalités depuis quelques instants. Nous ne sommes pas en mesure de vous dire maintenant laquelle de ces personnalités est le premier ministre, mais en tout cas, la réalisation peut nous montrer qu'il y a déjà le lutrin qui est placé et un micro. On attend visiblement une personnalité. Alors, quelle fonction, quel statut lui donner? S'agit-il d'un formateur ou du Premier ministre? On ne sait pas les dire pour l'instant, mais ce qui est sûr est qu'on a vu plusieurs personnalités ici qui sont en train d'être reçues par le président de la République et que l'une d'entre ces personnalités pourrait être ses formateurs ou ses premiers ministres attendus depuis que l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de ses consultations politiques. Un rapport final que le chef de l'État a donc réceptionné depuis trois jours. Donc nous sommes ici en train d'attendre cette importante communication du président de la République. Ce serait donc le pilogue d'un long processus qui a tenu en haleine l'opinion nationale internationale depuis presque trois mois. Oui, depuis trois mois, on se rappellera. L'élection a eu lieu le 20 décembre 2023. Le résultat provisoire tout d'abord ont été annoncés le 30 décembre 2023 avant que l'investiture qui est intervenue le 20 janvier. Exactement, l'investiture, 2024. Mais il y avait d'abord le résultat définitif. C'est ça. Et donc, depuis, ce sont des tractations politiques qui ont commencé.
Et comme on le sait, tout a commencé le 7 février 2024, lorsqu'il a plu au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dénommé Augustin Kabuya, qui est le secrétaire général de l'UDPS et élu de ce parti comme informateur dans le but d'identifier justement la majorité, d'identifier formellement la majorité parlementaire au sein de laquelle devrait sortir le Premier ministre. C'était une mission de 30 jours qui a été renouvelée pour la deuxième fois. Et c'est les 18 mars, oui, d'abord les 18 mars, Augustin Kabuya a commencé de nouvelles consultations avec des partis politiques, des discussions approfondies avec divers partis politiques et divers regroupements jusqu'à arriver justement à ces résultats. Peut-être aujourd'hui, parce que nous attendons justement cette communication, la communication importante de la présidence de la République, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être qu'il y aura la fumée blanche. Nous le pensons effectivement parce qu'après avoir nommé l'informateur et puis après avoir réceptionné son rapport, donc il ne restait plus qu'à avoir alors. On me fait signe que d'un moment à l'autre, le porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, va s'approcher du lutrin pour justement faire cette... La lecture justement de cette importante décision de la présidence de la République, décision pour laquelle la RTNC a mobilisé tous les moyens techniques pour vous faire vivre en direct. Et s'il s'agit d'une personnalité, nous aurons l'exclusivité de vous montrer ici cette personnalité qui sera nommée formateur ou Premier ministre. Ici même, en attendant, Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État, est en train de s'installer devant le lutrin qui est placé ici à la Cité de l'Union africaine pour cette importante communication. Et voilà, le décor est déjà planté. Et d'un moment à l'autre, la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, qui est là, et nous allons lui laisser la parole pour qu'elle nous donne cette décision de la présidence de la République. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Présidence de la République. Ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 8, alinéa 1er, revue l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminwa-Touluka. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guilin Nyembo-Mbuzia, directeur de cabinet. Je vous remercie et vous aurez tout à l'heure le plaisir d'écouter ou d'avoir Madame le Premier ministre pour ses premières impressions. J'invite Madame le Premier ministre
a été reçu tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons avoir ici en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle première Madame ministre le premier de la République ministre, Madame démocratique du Congo, Souminwa Madame Toulouka. Toulouka Vous avez sûrement un ministre petit mot d'État, à ministre Merci, Madame du Plan Tina Salama. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Là, merci beaucoup, Madame le Premier ministre. Ce sont ses premières impressions. Merci à tous et bonne soirée chez vous. Voilà, nous venons d'écouter le premier mot de la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo, celle qui va remplacer Jean-Michel Sama Lukonde II. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo d'avoir une femme Premier ministre, et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient là de concrétiser une promesse qu'il avait faite aux femmes. Il avait réitéré le même engagement lorsqu'il a reçu dernièrement les femmes d'exception pour dire qu'elles ont de la place. Et aujourd'hui, c'est donc la consécration avec cette nomination, cher Oscar Mbalkaïj. C'est la consécration, justement. Exactement, mais on sait que son nom circulait depuis plusieurs jours. Son nom circulait parce qu'il en a les profils. Elle figurait parmi les 3 nouveaux visages féminins au gouvernement Sama Lukonde. Judith Toulouka Souminwa, qui est aujourd'hui le Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été ministre du Plan au sein de l'Union sacrée de la Nation, de la coalition au pouvoir, jusqu'à sa nomination en tant que ministre d'État, ministre du Plan. Judith Souminwa Toulouka était coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, à une structure technique ayant pour principale mission de suivre et d'évaluer justement la mise en œuvre des engagements du président de la République. Le CPVS, dont le titulaire n'est autre que François Mwamba Tshishimbi. C'est là que Mme Souminwa a commencé avant d'être nommée ministre d'État, ministre au Plan. Et d'ailleurs, en le recevant, le président de la République l'a salué en tant que ministre d'État. Il a dit bonsoir. Madame Lamineta, et aujourd'hui c'est elle la première ministre de la République. On a vu dans son expression faciale le poids de responsabilité. Je crois qu'elle savait déjà que c'était elle l'oiseau rare qu'on attendait. Et voilà. Giscard Coussin, peut-être pour parler un peu des études faites et du parcours professionnel de Judith Souminwa, elle est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée. Judith Souminwa Toulouka a obtenu également un diplôme d'études complémentaires en travail dans le pays en voie de développement. Il a fait ses études supérieures à l'Université Libre de Bruxelles, ULB. C'est aussi un honneur donc pour la femme, mais aussi pour la diaspora. Cette brillante femme
qui était jusqu'ici ministre de plan. Elle s'est distinguée dans sa dans son savoir-faire jusqu'à aller frapper l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame Touluka a une cinquantaine d'années d'âge. Elle est de la province du Congo central, pour ceux qui veulent avoir ces petits détails sociologiques importants. Elle est donc du Congo central. Elle est ministre du plan au gouvernement Sama Lou Kondé II. Et donc, c'est elle qui va ouvrir cette nouvelle page de l'histoire. C'est la toute première femme premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'on a connu des Sophie Kanza qui ont occupé de hautes fonctions, mais jamais on est arrivé. C'est avec le président Tshisekedi qu'on a franchi un cap, en tout cas. On a vu d'abord au niveau de l'appareil judiciaire des femmes occuper des hautes fonctions. Au niveau du cabinet, on a des femmes qui occupent de hautes fonctions. On a une directrice, directeur de cabinet adjoint, Ko Boacha, Nicole Tomba Boacha. Voilà, et aujourd'hui, on a le couronnement avec la première femme, premier ministre de la République démocratique du Congo, okay, Madame Touluka Souminwa, Judith, membre du gouvernement Sama Lou Kondé II. Et c'est aussi la, disons, le troisième premier ministre sous Félix Tshisekedi. On sait que le tout premier était le doyen Ilunkamba, voilà, qui était de la coalition FCC-CACH. Et après, après la création de l'Union sacrée, c'est Jean-Michel Sama Lou Kondé I d'abord, avant un remaniement pour Sama Lou Kondé II. Et aujourd'hui, voilà, la page vient d'être tournée pour entrer. On parlera désormais du gouvernement Judith Souminwa 1. Voilà. Judith Souminwa 1, c'est pratiquement le couronnement d'un grand combat, parce que vous savez, le chef de l'État, c'est lui le champion de la masculinité positive. C'est un homme genré. Je me rappelle, lors du dernier briefing presse au studio Mama Angebi, ici à Kinshasa, des questions ont été posées au premier d'entre nous, au président de la République, si jamais il pouvait penser avoir une femme à la tête du gouvernement. Et aujourd'hui, le chef de l'État a accédé à cette demande de la société civile, à cette demande de la gente féminine, qui tenait à tout prix qu'une femme puisse occuper le fauteuil de premier ministre. Et cela est fait. Judith Souminwa, c'est une femme travailleuse, vous le savez. Elle a beaucoup travaillé justement dans le cadre du programme PDL 145 territoire. C'est une femme de terrain, elle a été partout. Effectivement, c'est elle qui pilote justement, c'est le PL 145T, donc le programme de développement à la base qu'on appelle le PDL, voilà, 145T. Et c'est un des programmes ambitieux, en tout cas, qui a donné le premier résultat un peu partout, dans le but de pouvoir réduire la pauvreté, surtout dans les milieux ruraux. Et voilà, aujourd'hui, Madame Souminwa, en tant que Premier ministre, va justement pouvoir poursuivre ces programmes, cet ambitieux programme que le président de la République lui-même pilote. Donc voilà ce que l'on peut dire. Alors, pour l'instant, la suite, c'est qu'elle va se mettre à former le gouvernement dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, nous le pensons. Je m'imagine que ça ne va pas traîner, parce que déjà, le Premier ministre, qu'est-ce que je vais dire, le président de la République avait reçu les rapports déjà ce samedi. Le samedi passé, il a reçu les rapports des consultations initiées par l'informateur. Il a clos ses consultations et 3 jours après, le chef de l'État nomme par ordonnance un premier ministre, Madame Judith Touluka Souminwa. C'est une grande première et je pense que c'est dans la même dextérité. Peut-être que d'ici la fin de cette semaine, nous aurons un gouvernement. Exactement. Ces rapports volumineux présentés par l'informateur balisent la voie pour la suite des événements. Le poids politique de chaque regroupement politique a été déterminé et nous pensons qu'on ne devrait pas traîner à pouvoir connaître la composition du gouvernement Judith Souminwa 1. Voilà, mesdames, messieurs, à moins qu'il y ait d'autres compléments d'information. Sinon, nous devons savoir que Judith Souminwa est pétrie de beaucoup de compétences, de beaucoup de connaissances. Vous le savez, elle a été plusieurs fois expert senior en développement international
avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience dans la gestion du changement. Elle est experte également en formulation et programme de développement, coordination, gestion des stratégies, suivi budgétaire et suivi évaluation des programmes. Je vous rappelle qu'elle a eu aussi à travailler comme experte au ministère du budget. Donc, elle a beaucoup de compétences. Je sais que les défis qui sont devant elle, ce sont des défis énormes. Mais parmi les premiers défis à relever, ce sont des défis sécuritaires. Elle l'a même souligné. Dans sa première déclaration devant la presse, elle a dit prendre la mesure de ses responsabilités. Elle a parlé de nombreux défis qui attendent et évidemment, elle a commencé par le mot de gratitude à l'endroit du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est plu de la choisir comme étant la première d'entre les ministres et puis la première femme de la République démocratique du Congo à accéder à cette haute fonction au niveau de l'exécutif. Je dirais comme un peu la chapelle Sixtine, la fumée blanche est sorti aujourd'hui, finit donc le suspense. La République démocratique du Congo a désormais un premier ministre. Il s'agit de Madame Judith Toulouka Souminwa. Jusqu'à sa nomination, elle occupait les fonctions de ministre d'État, ministre du Plan. Et voilà, elle a été présentée aujourd'hui à la presse tant nationale qu'internationale, à l'opinion publique. Et elle a même prononcé ses premiers mots. Oui. Je sais qu'elle était émotionnée. Oui, on l'a senti, hein, la charge de l'émotion. Voilà. Même au moment où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a reçu dans son bureau, on a senti en elle le poids de l'émotion. Et le chef de l'État lui a posé la question simplement, vous allez bien madame? Elle a dit oui, monsieur le président de la République. Donc voilà ce que l'on a vu et constaté en tout cas lorsque le président de la République a reçu. Et nous pensons qu'on va nous montrer ces dernières images avant de pouvoir mettre fin à cette antenne du direct depuis la cité de l'Union africaine. Ça, ce sont des images tournées par les équipes de la presse présidentielle ce soir. Le président de la République a reçu Madame Toulouka Souminwa. Je crois que c'est à ce moment-là que le chef de l'État lui a annoncé qu'elle était le premier ministre, la première ministre, je crois qu'on devra s'habituer, la première ministre de la République démocratique du Congo. Et la RDC rentre ainsi dans le cercle de tous ces États qui ont fait confiance aux femmes en leur confiant la plus grande fonction au niveau de l'exécutif, d'être le chef du gouvernement. On l'a vu au Gabon, on l'a vu au Sénégal et aujourd'hui c'est le tour de la République démocratique du Congo. Je crois que pour toutes les personnes qui défendent la cause de la femme, c'est un pas important qui vient d'être franchi. C'est une symbolique importante que de revaloriser la femme congolaise aujourd'hui. C'est une femme qui porte tout le poids de la République à travers de différentes manifestations. Les femmes ne cessaient de demander justement qu'on leur donne. On a dit, l'argument c'était que nous gérons avec de moyens parfois modestes nos foyers et si vous nous donnez les hautes fonctions, nous allons également les assumer. Et voilà aujourd'hui, la première femme, première ministre de la République démocratique du Congo est sortie du Congo central. Il s'agit de Madame Toulouka Souminwa, Judith, ministre du Plan dans le gouvernement Sama Lukonde II. Et félicitations et plein succès à Judith Toulouka Souminwa, l'actuelle première ministre. Nous allons nous habituer parce que souvent, c'est la fonction, le poste de premier ministre était toujours conjugué au masculin. Maintenant, on va s'habituer en appelant Judith Souminwa Toulouka, première ministre de la République démocratique du Congo, la première femme à occuper ce fauteuil au pays. Et chapeau bas au président de la République qui a écouté les cris de nombreuses femmes à travers le pays, et non seulement des femmes, mais des femmes méritantes, comme c'est le cas avec Judith Souminwa. Mesdames, Messieurs, nous allons vous laisser suivre la suite de programmes de l'actualité sur la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la chaîne des grands événements. Vous étiez suspendu justement à ces médias publics pour suivre cette retransmission en direct à partir de la cité de l'Union africaine, où par ordonnance présidentielle,
le premier citoyen, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé une première ministre, Madame Judith Toluka Suminois, originaire de la province du Congo central. Elle est issue du parti majoritaire, n'est-ce pas? Du regroupement majoritaire, de la majorité, si vous voulez, au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et cette majorité qui a été dénichée par l'informateur Augustin Kabuya, qui, vous le savez, a déposé les rapports de ses consultations il y a 3 jours au président de la République, qui a pris acte. Et aujourd'hui, les résultats sont là. La fumée blanche est sortie. C'est échappé justement de l'Union africaine et le nom de l'actuelle première ministre est connu. Il s'agit bel et bien de Madame Judith Toluka Suminois qui va assumer cette lourde charge pour accompagner le chef de l'État dans sa vision tablée sur les 6 engagements que le chef de l'État lui-même a eu à égrener lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier dernier au stade des martyrs de la Pentecôte. Giscard Koussema. Le prochain rendez-vous, ce sera peut-être ici avec la liste de membres du gouvernement de la République pour ce deuxième mandat du président de la République. Et nous pensons que l'attente ne sera pas aussi longue qu'elle a été. Mais c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionnent nos institutions. Il fallait respecter la procédure et nous pensons que cette fois, l'attente... Et surtout rechercher cet oiseau rare. Effectivement. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez daigné accordée à la RTNC, la chaîne des grands événements. Espérons vous retrouver dans les tout prochains jours pour l'annonce de d'autres membres ou de membres du gouvernement. Peut-être que ce sera ici, à la Cité de l'Union africaine, ou encore sur les antennes, sur le plateau de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. Il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci et excellente soirée à vous tous.